Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc je te retrouve pour ce troisième bilan lecture sur le manga Switchers. Switchers. Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour ce troisième bilan lecture sur la série Switch Girl de Natsumi Aida, un manga âge conseillé 12 ans et plus. Nous sommes sur un shoujo des éditions Delcourt. Le manga est dans le genre comédie et romance. L'œuvre date de 2006 au Japon et de 2009 en France pour son premier tome. Et je te mets à côté de moi les titres de ces autres œuvres disponibles en France. Donc en ce qui concerne la qualité du dessin du tome du coup 18 au tome 25, on voit très clairement qu'il y a toujours une amélioration côté dessin. Donc ça encore, c'est toujours plaisant, c'est toujours très agréable de voir que l'auteur n'a cessé de s'améliorer côté dessin. En ce qui concerne par contre l'histoire, je te dirais très clairement que je me suis arrêtée au tome 19 tout simplement parce que, comme je l'avais dit dans la partie 2, la série commençait à s'essouffler et je considérais que l'auteur en fait avait déjà planté sa série clairement, qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, que le tome 17 pour apprécier sa série, que l'auteur n'aurait pas dû avancer et continuer et faire plus de volume. L'auteur aurait réellement dû s'arrêter au tome 17 et laisser peut-être un petit chapitre qu'il y a dans le tome 17, l'enlever et ne pas le mettre et s'arrêter là très clairement. Personnellement, j'ai été vraiment déçue par la fin, par les deux derniers volumes que j'ai lus, donc le tome 18 et le tome 19, bien entendu. J'ai été déçue, je comprenais plus le délire de l'auteur. Ça commençait à se faner, il n'y avait plus vraiment tout ça. On voyait très clairement que tous les personnages, en fait, tous les amis de Nika, pardon, la cité telle qu'elle est, peu importe son apparence on-off, on voyait très clairement que même si elle leur avait pas encore dit, même si personne ne l'avait vu, on voyait très clairement que les camarades de classe, la cité telle qu'elle était. Et donc du coup, il n'y avait plus vraiment d'intérêt de continuer la série à partir du tome 17 parce qu'on voyait très clairement que ses amis la cité. Donc du coup, la série est basée sur « je me cache, j'ai mon on » devant tout le monde et j'ai un mode off à chez moi et je le cache de mes amis tout ça et je veux que personne découvre mon secret. Il n'y a plus d'intérêt si tes amis en question te prouvent et qu'on comprend que ces amis en question lèvent cette qu'elle est, et même avec ce mode on ou ce mode off, peu importe, c'est elle qu'ils aiment et pas son apparence extérieure. Donc j'aime ce manga et j'ai aimé ce manga parce que tout simplement il nous apprend beaucoup de choses. Il fait comprendre peut-être, il fera ou a fait comprendre peut-être aux plus jeunes que l'apparence extérieure n'est qu'un détail. Mais donc elle est intéressante à lire la série parce que justement il y a ça, il y a une sorte de morale. La série est intéressante, la série est fun, elle est changeante. Ça change de tous les shoujo classiques qu'on peut connaître. Mais personnellement, moi, si je devais te conseiller la série, je te dirais achète les tomes au fur et à mesure. Vraiment, achète-les un par un. Et quand tu vois que tu trouves que la série commence à s'essouffler, arrête-la tout simplement. Moi, je me suis arrêtée au tome 17 et clairement, je te conseille vraiment pas d'aller plus loin. Voilà. Une abonnée m'avait dit que j'avais fait une grossière erreur lors de ma vidéo haul, en me disant t'as fait une grossière erreur d'acheter tout, parce que moi je me suis arrêtée au tome 16, moi je me suis arrêtée du coup, elle s'est arrêtée au tome 16 et moi je me suis arrêtée au tome 17, et voilà. Donc la série est sympa, agréable, je te la conseille, mais honnêtement, achète-les au fur et à mesure, et ne fais pas comme moi. Voilà. Donc je ne regrette pas d'avoir acheté cette série, j'ai mis à revendre du coup les volumes que j'avais en trop, et je ne suis pas non plus déçue d'avoir acheté les tomes 1, en version japonaise, en version allemande, et d'avoir acheté le manga bonus. Je vais les garder et j'aime quand même cette série, mais pas plus loin que le tome 17. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve sûrement prochainement pour un bilan lecture. Sur ce, bye bye.